Donc après, Liu Feng Se Bi se trouve une posture, encore une fois emblématique du style Chuan, et plus généralement des autres styles de Tai Chi Chuan, puisque ces autres styles dérivent tous du style Chuan. Donc la trame de leur enchaînement est identique. Donc on retrouve aussi des postures comme simple fouet, mais dans le style Chuan, évidemment, elle est exécutée d'une façon un peu différente que dans les autres styles. Chaque style a ses spécificités. Donc cette posture va se retrouver vraiment souvent dans l'enchaînement. Elle a donc une importance particulière. Et je vais la montrer une première fois avant de la détailler. On peut considérer qu'il y a deux parties dans ce mouvement. Juste après cette posture, c'est verrouillage et 4 fermetures, on va faire naître une force, on va installer une force sur l'extérieur de la cuisse gauche, et simultanément, cette force va déclencher le pliement de l'aine droite. On retrouve les principes qu'on a vus avant, puis va se transmettre jusqu'au poignet gauche, saillant, tandis que la main droite, elle, vient descendre le petit doigt vers le sol en fléchissant le poignet. Ce mouvement, il peut paraître un peu étrange, correspond en fait à une capture et un contrôle, une clé que l'on applique sur l'adversaire. Donc, ce petit doigt ici de la main vient se loger dans le creux du coude de l'adversaire et on vient plier son poignet. Ensuite, on pousse dans le sol avec le pied droit, les deux mains s'inversent, dessinent un cercle. La main droite vient toucher l'avant-bras gauche et on fait ensuite naître la même force qu'au début du mouvement sur l'extérieur de la cuisse gauche en déployant la main droite en crochet. Tandis que la main gauche vient se loger sous le nombril, en crochet. Cette forme en crochet, gaucho, on l'obtient en joignant le pouce, l'index et le majeur, tandis que les deux autres doigts viennent se replier, le poignet saillant. Les doigts ne sont pas tendus, ils forment comme une espèce de goutte d'eau. Cette prise, cette forme de main, peut servir à se dessaisir d'une prise des doigts ou bien à frapper. Ce qui est important, c'est que dans le positionnement de cette main, le poignet va légèrement s'avancer vers l'avant, les doigts légèrement pointés vers l'arrière, pour exprimer une force de fermeture. La main n'est pas juste posée à la verticale, mais il y a une légère rotation. Comme on a pu voir précédemment, pour générer une force de fermeture. Donc je reprends. 1, 2, 3. On remplit ensuite complètement la jambe droite pour faire un pas ouvrant.
Même principe qu'avant, on déporte le poids à gauche, puis on le remène à droite. La main gauche vient piquer dans cette direction. Et on pousse à nouveau avec la cuisse droite pour ramener une dernière fois le poids sur le côté gauche. Et ensuite on installe la posture. Je vais détailler comment. Vous voyez que c'est une posture globalement qui exprime une grande ouverture. Mais dans cette ouverture, il y a une fermeture. J'ai détaillé tout à l'heure pour l'arc formé par le bras droit. On a le même arc formé par le bras gauche. Cette main n'est pas à la verticale. Il y a une légère force rentrante vers l'avant pour avoir un arc ici, un grand arc qui exprime une force de fermeture malgré la grande ouverture des bras, l'amplitude des bras. Donc le pas ouvrant est similaire à ce qu'on a pu voir précédemment. Transfert de poids pareil, les hanches à l'horizontale. Et ici, quand on a tourné la taille, on va pousser avec la cuisse gauche en avançant l'aine gauche, comme précédemment on a pu voir dans Jingang Daodui par exemple. Et c'est cette action qui va repositionner mon corps de face. Et placer ma main qui vient tourner. Mais ma main ne tourne pas, parce que j'ai décidé de la tourner indépendamment du reste du corps. Son action, son replacement de l'épaule aussi, est provoqué par l'action de la cuisse gauche. Gardez toujours ce principe à l'esprit en fait, et vous verrez que ça, si vous l'intégrez, ça sera beaucoup plus simple de comprendre l'ensemble des mouvements, la suite des mouvements. Là, je pousse dans le sol. Donc à la fin, mon poids est majoritairement sur le pied gauche. C'est une posture assez ample. Ma poitrine est relâchée. Et j'exprime une force de fermeture. Un bon test. Un partenaire va venir exercer une petite pression avec ses paumes sur vos deux bras, comme pour les pousser vers l'arrière. Et vous pourrez ressentir, exprimer cette force de fermeture vers l'avant pour répondre à sa poussée. Donc c'est un test, c'est pas une application martiale. Mais c'est important de faire ce test pour vérifier la justesse de la posture. Je vais faire donc Dan Bien simple fouet, maintenant de profil, puis de dos. Donc à la fin, vérifiez bien que les hanches sont à l'horizontale, deux hanches. Et voilà, ceci conclut la description.